Hello les marathoniens des langues, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lauriane du blog Marathon des langues et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler d'une application. Alors c'est une application très très pratique si vous apprenez une langue en autodidacte, mais pas seulement, si vous l'apprenez également avec des cours ou accompagné d'un tuteur, parce que votre tuteur ne sera pas toujours disponible. Et donc c'est ça l'intérêt de cette application qui s'appelle Hi Native. C'est une application sur laquelle en fait vous pouvez poser des questions. Toutes les questions que vous voulez, toutes les questions qui ont un lien avec les langues évidemment. Et donc c'est vraiment génial parce que dès qu'on a une idée en tête, dès qu'on a une question, plutôt que d'attendre, la noter et la poser à son tuteur lors de la prochaine session, l'idée c'est que vous pouvez le faire tout de suite parce qu'en fait donc c'est sur votre téléphone évidemment, donc sur votre téléphone, donc votre téléphone normalement vous l'avez tout le temps sur vous. Et donc l'avantage de cette application c'est qu'en plus vous avez des modèles prédéfinis, c'est-à-dire que vous avez par exemple les questions qui sont le plus souvent posées, donc vous avez des modèles, par exemple comme la question comment dit-on cela ? Donc ce modèle est déjà noté et ensuite vous mettez le mot que vous cherchez ou la phrase dans la langue cible. Donc, vous pouvez l'écrire en français. Par exemple, comment dit-on un moment s'il vous plaît en russe ? Donc moi j'avais testé avec cette expression. Et donc vous avez des personnes, donc les personnes de la communauté qui vont répondre à votre question. Et l'idée, c'est que plus vous participez, plus vous gagnez des points. Donc, si vous répondez à plusieurs questions, vous cumulez des points. Et donc, quand ça sera votre tour de poser votre question, vous aurez acquis un nombre de points qui vous permettra d'avoir plus de visibilité et donc d'avoir un maximum de réponses. Et donc ça, c'est vraiment super pratique parce que on a la réponse immédiatement, on ne perd pas de temps et on avance, on progresse dans la langue qu'on veut. Donc les autres types de questions, il y a par exemple est-ce que ça semble naturel de dire ta 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 ta, est-ce que on prononce ce mot là de telle manière. Donc là vous avez l'option audio, c'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer en disant un mot si vous n'êtes pas trop sûr de la prononciation. Et donc la personne en face, donc c'est des natifs, donc c'est ça l'avantage, va vous dire ok on comprend rien, ok on comprend bien, tu peux t'améliorer de telle manière. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment super parce que vous avez des réponses de natifs, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des réponses automatiques d'un robot ou d'un traducteur comme par exemple Google Traduction qui va vous donner une traduction mais qui en fait quand vous allez l'utiliser dans un contexte réel, on va vous regarder un peu bizarre comme ça en se disant mais d'où il sort celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte. Là c'est vraiment des expressions, c'est des natifs qui vous répondent, donc c'est des choses qui sont utilisées au quotidien. Et donc voilà, moi je suis vraiment convaincue de cette application, je l'avais testée pour le russe, c'est super, c'est notamment bien quand vous démarrez dans la langue, quand vous n'avez pas forcément d'accoutumance à la langue, voilà, c'est pas des choses qui sont acquises, ça permet de bien comprendre certaines choses et de parler en ayant l'air d'un natif, enfin en ayant l'air, en utilisant des expressions qu'on utiliserait tous les jours. Donc c'est une application gratuite, vous pouvez poser des questions, mais vous avez les options premium qui se débloquent en payant, ça doit être 7€ par mois. Mais voilà, ça ne représente pas grand chose si vous voulez vraiment progresser dans la langue et ne pas perdre de temps. C'est vraiment un gain de temps et des progrès assurés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le kit gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit 7 jours pour bien démarrer avec les langues. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires et ça me fait vraiment plaisir de les lire. Alors je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.